Bonjour ma petite Lucie, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens faire une nouvelle vidéo qui va être l'appel d'automnal. J'ai un peu exagéré dans mes pourpoursons de livres pour lire de septembre à décembre, enfin, à, je dirais novembre, parce qu'en décembre j'aimerais bien lire quand même des petits roman de Noël, du coup voilà. Mais là j'ai un peu exagéré, j'en ai 23 à vous présenter, j'ai un peu à exagérer pour 2 mois. 3, allez, on va dire. Mais c'est un peu trop. Mais c'est pas grave, comme ça vous le rêverez une fois de tous. Voilà, mais j'aimerais bien lire beaucoup de cela. Du coup, c'est ce qui me donne très très envie là maintenant. Il y a une pile que vous voyez hop. Plus ou moins là, il y a un roman au-dessus. Mais voilà. Du coup, je vais vous présenter ça tout de suite parce que moi, ça va durer longtemps. Du coup, j'aimerais bien lire Sur le vif de Elizabeth Alvalosco. Voilà. Chez Nathan. Je vais pas vous parler de tous les résumés, mais certains peut-être. Ici, je sais qu'on va suivre cette jeune femme qui est au lycée, qui a un enfant de 2 ans et qui va. Enfin, elle est à l'école et en même temps elle va travailler en cuisine. C'est tout ce que je sais et j'ai envie de me plonger dedans. Voilà, il est trop beau. Et ça parle d'une personne de couleur. Voilà. Après, c'est un petit nouveau qui n'y a pas longtemps que vous l'avez vu. Mais il me donne très envie. C'est de Miss Sklo, je ne sais pas comment ça se dit. Babysitting. De Home Gara. Voilà. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est un. Comment on dit? Un nom édité. Du coup, voilà. Après, on va parler de Trip Baby. Je sais qu'on va suivre un personnage masculin qui joue de la musique. Et le personnage fille, c'est une. Un truc de. Un, pas un docteur, mais un truc comme ça. Ça doit être un. Ah! C'est pas médecin, c'est une. Enfin, c'est dans le truc médical. Voilà, c'est tout ce que je sais et ça me tente beaucoup et ça fait un moment que je l'ai maintenant. Du coup, voilà. Après, celui-là aussi, il vient d'arriver dans ma palle, mais j'ai envie de le sortir très vite. C'est le syndrome du spaghetti de chez. Ouais, je crois que c'est Nathan, mais moi je l'ai dans la maison. Chez Belgique Loisirs. Et c'est de Marie Valley. Voilà, il est trop beau. Et ici, je ne sais pas du tout ce que ça parle. Je vous avais parlé du truc. Je crois que c'est la personne qui est pas dans le bon corps ou un truc comme ça. Je ne sais plus vous dire, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Du coup, je ne vais rien dire. Du coup, celui que je veux absolument qu'il sorte de ma palle, c'est celui-ci. Il est trop beau. L'année prochaine, il va voir l'autre qui sort en plus. C'est les 100 écumes et de glace. Le premier tome, Métamorphe, de chez Michel Lafon. C'est Alex. Alexan. Alex. San. Delis. Delis. Ouais, il est trop beau. On voit pas trop. Il y a des trucs qui brillent. Ça, c'est en relief. Il est trop canon. Et je veux absolument. C'est une réécriture. De la petite sirène. Non. Moi, je crois que c'est ça sur la petite sirène. De l'océan. Ça parle d'océan. Du coup, j'ai envie de me mettre dedans. Mais il fait assez gros. Voilà. Il fait quand même pas mal de pages. Aux 477 pages. Je pensais plus gros, quoi. Voilà. Pourtant, j'ai envie qu'il sorte tout de suite aussi. Celui qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Le tome 2, c'est un manga BD. Voilà. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'avais envie de me faire le tome 2. Voilà. Celui-là, je ne sais pas comment on le prononce. Du coup, je ne veux pas vous le dire. Mais lui aussi, il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé dans ma palle. Mais j'ai envie qu'il sorte. Voilà. Je sais qu'on va parler de. Oh, je ne sais plus. Il ne peut pas retomber amoureux d'elle. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai vraiment pas envie de me plonger dedans. Je crois que c'est de. Ok. Ah non, de la glace.
patins à glace. Voilà, je viens de voir les petits patins à glace. Voilà, j'ai pas envie de savoir plus et j'ai envie de me prolonger dedans. Après, il y a lui aussi qui a pas longtemps qui sont arrivés. Les deux derniers, deux grands formats, il y a pas longtemps qui sont arrivés. C'est l'As de cœur de Morgane Moncamp chez Hugo Roman. De Hugo. C'est Hugo Roman, mais voilà. C'est dans la collection Nous Romance. Voilà. Ils m'attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà lu et ça me titille. Voilà. J'ai envie de trop me lancer. Et il y a celui-là. Lui aussi, il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va dans ma palle d'octobre, je pense. La force de renaître de Brittany Chéri dans la collection de Hugo, dans la collection Nous Romans. Voilà, il me donne trop envie. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il y a des belles petites chaussures à l'arrière. C'est tout ce que je veux savoir. Et voilà. Après, il me reste tous les petites poches. Les petites poches. Voilà, du coup, on va commencer parce que voilà. Et j'ai monsieur qui m'envoie un message à ce moment-là. Voilà, rien, je me suis trompée, monsieur. J'ai. Arrête de. Attendez, je retire ça parce que ça m'embête. À notre dernier rendez-vous de chez Hugo Poche dans la collection Nous Romains de Émilie Parisio. Voilà, il me donne très envie aussi, mais j'ai un petit peu peur parce que j'entends, enfin, j'ai lu, enfin, lu, non, j'ai entendu que beaucoup de personnes n'ont pas trop aimé et c'est une comédie romantique, du coup, ça me fait un peu peur. Voilà, il y a celui-ci aussi, Équitation à deux inconnus de Daniel Guiseau chez Hugo dans la collection Nous Romans. Voilà, qui me donne très envie. Voilà. Après, j'ai un autre style que j'ai envie d'essayer et ça m'arrive pas souvent d'essayer de nouveaux styles. Du coup, voilà, j'ai envie de faire de la beatlit. C'est de Les Vampires de Chicago. Le tome 1, c'est Certains Maîtres des Dents. Voilà, la couverture est trop belle. C'est de la beatlit chez Milady. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 romans, enfin 10 livres, toute la collection est là derrière. Ça me fait un peu peur de me lancer là-dedans, mais voilà. Voilà. Mais à part ça. Alors, ce qu'il faut absolument qu'il sorte de ma palle aussi, c'est cela. Evreuse Eros, le tome 1. Il faut absolument qu'il sorte. Je les ai depuis un moment. Enfin, non, je les ai pris en promo poche. Mais je les ai en grand format, mais que je vais chercher après pour les mettre en vente sur Vinted. Ouais, mais il faut absolument qu'ils sortent au plus vite. Je n'en peux plus. Après, il y a Total de Colleen Hoover de chez Hugo dans la collection Nous Romans. Voilà, il faut aussi qu'ils partent. Enfin, il n'y a pas longtemps que je l'ai lu, mais ça fait un moment qu'il est sorti et j'aimerais bien vite les sortir de ma palle en fait. C'est ça le problème. Ça, je crois que j'avais eu dans une box du petit colis. Une fois, cette fois peut-être, chez Hugo, dans la collection Nous Rom Way, non, c'est Nous Way de Cassie Way. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je crois que ça parle de mariage. Mariage, fête fin d'année, quelle soit l'occasion de Sophie. Je ne sais pas trop ça parle, je sais que ça parle de fête et du coup je pensais le retirer parce que comme on est presque à la fin de l'année, pourquoi pas, ça pourrait être bien, fin d'année, fête, j'ai vu fête de fin d'année, pourquoi pas. Après celui-là c'est un tome 2, j'ai lu à un moment déjà le tome 1 et je voudrais bien que le tome 2 soit lu, comme ça je serai tranquille. C'est Bayway, c'est le tome 2 de je ne sais plus quel roman, vous l'avez vu aussi sur la chaîne. Je crois que je l'avais fait en vlog. Ouais, et j'aimerais bien que ça parte. On va suivre des motards. Voilà, je sais plus exactement. Il faudrait que je me relis la quatrième du couverture de l'autre. Ça va me revenir, mais voilà, on va suivre plusieurs groupes et il va y avoir un truc qui va se passer. J'irai moyennement aimé le tome 1, mais je me suis dit quand même que j'avais le tome 2, qu'il était court et que je voulais me le faire. Il fait 300 pages, du coup je veux me le faire et pour qu'il soit qu'une série soit terminée, complète et je serai tranquille. Après, j'ai sorti. Il est beau aussi celui-là.
Claire Dalle de LG Watch, je sais pas comment ça se dit, de chez Hugo dans la collection Nous Romans. Voilà, j'aimerais bien le lire. Voilà. Mais voilà, je pense pas à savoir tout lire, ça je vous le dis. Il m'en reste encore 4, 6 à vous montrer. Je suis pas sûre que tout ce que je vous montre là va être lu en 2 mois. Mais qu'une grosse partie sorte de ma page, ce serait le top. Voilà. Après, j'ai celui-ci qui me donne très envie, je sais pas pourquoi. Depuis 2 jours, je le vois et j'ai envie de le sortir. Baby Crunch de chez Addictive. Moi, je l'ai en poche. De Lou Vert Evalry. Voilà, il est beau. Je sais juste qu'on va suivre un garçon. Je me demande bien si c'est pas. Crash pour le bye boy du lycée, hors de question. Célinant et sexy-suffisant. Voilà. C'est écrit juste. Oh merde, je viens de chiffonner là-bas. Faut que je monte. C'est écrit tout petit par contre. C'est ce qui m'embête beaucoup. Mais voilà. Après, il y a celui-ci qui me donne aussi très envie. Qui a pas longtemps que je l'ai acheté, je pense. La voleuse de baisers de chez Hugo de la collection New Romance, c'est écrit par LG Wall. Ah, j'ai déjà son nom là. Ah, bah oui, c'est ça, je crois. Ouais, c'est les deux là. Voilà, j'ai deux mêmes auteurs. Voilà, je suis dans la collection New Romance. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai entendu beaucoup parler. Si on parle de filles, Chicago, italienne de Chicago. Je ne sais pas de quoi ça parle. Celui qui aimera lui voler son premier baiser. Voilà. Qui va voler son premier baiser. On verra. Et voilà. Après, il y a les belles apparences. J'ai entendu un petit peu que c'était motivé pour cette. Beaucoup de gens étaient motivés. Oh, je ne sais plus je sais plus parler. C'est entre deux, voilà, pour cette lecture. Je ne sais pas de quoi ça parle non plus. Je vois qu'on parle de musique. Mais on a dit que c'était une belle lecture. Mais voilà, c'était pas quelque chose qui casse la baraque. Mais comme je l'ai, je voudrais le lire aussi. Voilà. Après, ce qui est un peu plus longtemps dans ma page, c'est celui-ci, qui est l'encore du passé de Eric. Bio chez Hugo Poche dans la collection New Romans. C'est un MM. Il y a deux tomes. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma palle. Du coup, j'aimerais bien les sortir tous les deux. Et voilà, je sais qu'on va suivre Clément et Selvo. Mais parce que je lis là, entre Clément et Selvo, il va y avoir des trucs qui vont se passer. Ils sont déjà en couple, mais je crois qu'il va y avoir un petit peu de dispute, je ne sais pas quoi, mais j'ai pas trop envie de vous en parler plus. Celui-ci, il y a pas longtemps qu'il est aussi dans ma palle, mais je veux le sortir. Je pense que celui-là, il va passer aussi. Je crois que voilà, que tout le monde a eu un grand coup de cœur pour celui-là. Voilà, l'honneur de Presson, Presson, Presson. Je sais qu'on va suivre deux frères jumeaux. C'est tout ce que je sais. Peut-on jamais guérir des blessures du passé de ah, j'ai château, j'ai un truc là, mon bout du nez là, ça m'a écrit par Mia Sheridan. Voilà, je ne sais pas plus. Il paraît que Mia Sheridan elle a une bonne plume, du coup, pourquoi pas. Et c'est un drame psychologique. Voilà, du coup, c'est vrai que chez Hugo, il le marque. Ça, c'est un roman psychologique. Ça, c'est une comédie romantique. Vous voyez, il y a tous des trucs. Là, c'est un roman psychologique. Oh, alors, il y a beaucoup de psychologique. Hein. Mon cerveau va. Voilà, mais j'espère qu'une grosse partie va partir quand même. Et ce que je pense aussi qui va pas traîner parce qu'il me donne très envie, c'est L'Antilune de miel de Christina Laurent.
de chez Hugo. Dans la... Il n'y a pas de collection. Voilà. Je vais chatouiller mon nez. Je suis désolée de me gratter mon nez, mais voilà. Je sais juste que sa sœur, je crois que c'est ça, si sa sœur va se marier, enfin, un truc comme ça. Enfin, il y a une lune de miel et c'est deux personnes qui se connaissent pas. Enfin, si je comprends ça, si j'ai bien, je remets en bas. Je m'explique. En fait, c'est un... ils vont se marier, le couple vont se marier, mais je pense que ça va pas se faire et du coup, c'est sa sœur qui va partir avec un inconnu en lune de miel. Et voilà, je pense que c'est un truc comme ça qui me donne très envie de le lire. Voilà. Et il y a beaucoup d'Hugo quand même. Hein. Voilà pour tous les romans que je vous ai présentés. Je vous montre que une partie de mes poches. Hein. Mais regardez ça. Il y a déjà que les poches là. Il faut pas demander. Hein. Voilà, je vous ai présenté tous les bouquins que j'ai envie de lire. Enfin, qui me donnent à lire. Je vais dire que c'est une pioche d'automne. Pas une pile à lire. Une pioche d'automnale. Voilà, automnale, c'est mieux. Et on piochera dans ces livres que je vous ai montrés pour choisir ma pile à livres de octobre. Mais j'ai déjà commencé parce que je vais la préparer et la... Enfin, je pense que je vais la tourner après en piochant dans mes livres là maintenant. Et la monter dans la foule... Enfin, la monter, vous la serrez pour le 31, je pense. Enfin, je vais déjà la tourner, essayer de la monter peut-être aujourd'hui, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.